Dans ce Lanta, l'île des héros, ils sont encore 7 à prétendre au titre ultime. La fille, Eric aussi, ex-rouge d'origine, a souvent failli être éliminé. Mais il est encore là et sait se faire apprécier. Bravo, félicitations. Moussa, lui, est confiant. Moussa, tranquille pour le moment. Ce champion du monde de sport de combat se sent en sécurité avec les filles jaunes. Pour le moral. Alexandra est un peu moins fusionnelle. Machine! Ouais, machine. Cette bretonne, plus discrète que ses consoeurs, est pourtant souvent très bien placée sur les épreuves. Alexandra qualifiée, bravo! Régis aussi est un ex-jaune, mais il est plus à l'écart du groupe, plus solitaire. Je vais mener ma barque perso. A donné sa parole des deux côtés, cela l'a tiraillé, cela l'a torturé. Ça veut dire trahir quelqu'un, et c'est très très dur. Mais finalement, Régis a voté de concert avec les ex-jaunes. Il a dupé une seconde fois Jessica en lui faisant de nouveau croire qu'il votait avec elle. Jessica. Jessica, malgré ses prouesses sportives, n'atteindra pas la finale. Et leur sentence est irrévocable. Ah bah voilà. Ah. Salut Jess. Oula. Salut. Comment ça va? Et toi? Ça peut aller. Les jeunes, ils sont trop soudés. De toute façon, s'ils en sont où ils en sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont soudés à ce point-là. Mais le cerveau des jaunes, et Moussa me l'a dit récemment, il m'a fait un lavage de crâne, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On est quand même tombé de haut, parce que on pensait tous que la baguette, mais en fait... Régis, c'est vraiment le cerveau. C'est vraiment le cerveau. Je me disais, c'est bizarre, on ne l'entend jamais. Et Moussa, le mec, il sert à rien. Et Moussa, non, lui, c'est vraiment celui qui... Régis, c'est celui qui... Je pense que c'est celui qui vraiment qui fait... Quand le plan va capoter. Moi, je suis un stratège, donc je l'ai vu venir déjà de très loin. Maintenant, je ne savais pas qu'il était aussi peu courageux, qu'il ne disait pas les choses, qu'il ne les assumait pas. Un Régis et un Moussa sur les poteaux. Wouhou ! Ça va être compliqué. Cerise sur le gâteau, la possibilité de voir vos proches, de les appeler à travers une vidéoconférence. Vous imaginez avec vos enfants, votre compagnon, votre compagne, vos proches, tout ça sera possible ? À une seule condition. Alex, sans enfants, à vos trois garçons. Oui, j'ai envie de leur dire qu'ils me manquent, j'ai envie de savoir. Ça manque, j'ai promis à ma femme pourtant de ne pas craquer. C'est très difficile. Inès, qui vous avez envie d'appeler si vous gagnez? Ce sera celle que j'appelle ma maman, ma tante. Celle qui me donne... C'est Fatima? Oui. C'est celle qui est toujours là pour moi, c'est celle qui me booste, c'est celle qui m'encourage, c'est celle qui m'a jamais lâchée. C'était votre initiative, c'est celle très, que je reprends. Très sport venant d'un club, je suis très très étonnée. Désolée. Je te les prends tes sacs. Je fais ça parce que c'est juste. Pas de soucis. Non, dis-moi, est-ce que si je fais ça parce que c'est juste, oui ou c'est, non? C'est bon, tais-toi. Si tu dis non, je te donne pas les sacs. Non, demain, à l'immunité, est-ce que tu reviens sur ça? Est-ce que le dernier sera éliminé? J'en sais rien. Donne les sacs. Tu l'as dit hier. Donne les sacs. Mais prends ta décision. Donne les sacs. Bah, prends les sacs. Vas-y. Si tu reviens sur ta décision, tes sacs ne sont pas pour toi. Mais c'est toi qui l'as décidé comme ça hier avec le groupe. Tu veux me donner les sacs? Tu me donnes les sacs, mais fais pas de morale devant les gens. Pas de morale, je suis en train de te démontrer que t'as tort. C'est bon, j'ai pas envie de parler, je vais m'énerver. Voilà, parce que t'as tort. À Nawel, un sac de 7 kilos à Alexandra. Et il en restera deux à Inès. Alexandra, sur cette finale, vous porterez 11 kilos. Nawel, même chose. 11 kilos. Inès, 18 kilos. Bah, j'ai pas réussi, quoi. J'ai envie d'encastrer Claude. J'ai envie de péter un câble. Nawel. Oui. La récompense est fantastique. Oui. Mais elle sera encore plus belle si vous souhaitez la partager avec quelqu'un. Ah! Est-ce que vous souhaitez déjà la partager? Oui. Quoi? Papa. Toi. Alexandra ou Inès? Ça sera Inès. Oh putain! Ça sera Inès. Je suis désolée, Alexandra. Je sais que ça comptait beaucoup pour Alexandra de voir ses enfants. Mais il y a un truc que nous, on a fait et qu'Inès n'a pas fait. J'aurais pas fait de confort. Voilà, c'est comme ça. J'ai eu ma lettre, moi, c'est vrai.
appels sont radieuses. Elle... Arrête. Cette vie, on va revenir saper avec une odeur de fou furieux. Et ça, c'est le kiff. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est trop bien. Attends, c'est brûlant. Ah. Elle était chaude. C'est un bien. C'est un bien fou. C'est incroyable. On dirait des fous. On dirait qu'on n'a jamais lavé. On s'est jamais lavé de notre vie. Est-ce que ça sort du shampoo? Oh, Noël. Un truc de dégustation hein, parce que je connais pas ça hein. J'ai jamais pris hein. Je mange pas de fruits chez moi, j'arrive pas à les ingérer dans leur forme naturelle. J'ai jamais goûté de pastèque, jamais goûté de kiwi, ça c'est une orange ou c'est une orange, l'orange, ouais. L'orange j'ai jamais goûté, ananas kiwi non plus. Ananas non plus. J'ai bien fait de ramener celle-là hein. Fait découvrir la vie hein. C'est une enfant. Mais on la voit, elle découvre des fruits, franchement. Je suis vexée parce que je suis arrivée la deuxième, je suis arrivée juste après Nawel. Mais je pensais vraiment qu'elle allait me choisir, en fait. Et quand elle a dit Inès... Ça sera Inès, je suis désolée, Alexandra. Clairement, ça fout les boules, parce que j'aurais aimé la partager. C'est ce que elle dit que je les aime, forcément. Des affinités avec Claude et j'ai des affinités avec Inès. Donc, j'ai pas envie qu'ils se chamaillent, j'ai pas envie qu'ils s'embrouillent et j'ai pas envie que ça aille plus loin entre Claude et Inès. C'était un truc de malade. C'était super bon. Oh là là, la viande, regarde la viande. Oh là là. Elle est fondante. Toutes ces saveurs mélangées, mais c'était l'extase. Et on finit sur le dessert. Et succulent. Ça fait des frissons. Oh là là. Parle-moi, hein. Oui. C'est un truc de malade. Vas-y, viens, profite. Je vais m'extérioriser dehors, je vais faire un plongeon dans la piscine, je sais pas, mais c'est un truc de fou. Amour, hein. Mon bébé ! Oui ! Attends, c'est quoi marqué ? Je t'aime, ma princesse. Mon bébé ! C'est trop bon de te voir. T'es la merde ici. Pourquoi tu m'as laissé partir, toi aussi ? Tu peux pas me garder avec toi ? Après, je te garde, je te laisse plus partir. Est-ce que quand je rentre, tu peux me faire des lasagnes ? C'est prévu déjà, j'ai déjà fait. Ah, non, sors de là ! Comment ça ? Le mec, il est au boulot. Elle perd pas ton boulot. J'ai pas encore gagné Koh-Lanta, donc les 100 000, je les ai pas encore. Et je te fais des bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bisous. T'aime. Bisous. Ça va, Moustin ? C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Allez, viens, on va rappeler. J'ai pas dormi. C'est vrai. Mais je suis trop bien. Je suis surexcitée. C'est trop la teuf. T'as pas dormi toute la nuit ? Toute la nuit, j'ai pas dormi. Il va falloir qu'on parle. Parlez de quoi ? C'est la suite déjà. Francky, ce soir, il va falloir ramener. Parce que là, il faut s'arracher. Ça croustille. Petit déj tartine en bord de mer. Ça va de la villa. C'est pas grave, on reviendra. Ou pas. On reviendra pas. Oh là là. Poisson au petit déjeuner. Poisson, riz, donc la matinée attaque bien. Quoi les prévisions pour la dernière bouteille. Allez. Prévision, j'ai pas d'idée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Nawel. Bonjour Inès. Ah, ça sent bon. Non, ça sent. Alors Inès, votre visage n'a rien à voir avec celui d'hier. Oh là là là. Mais il ne faut surtout pas perdre. Malheur au dernier. Car la personne qui terminera dernière de cette ultime immunité sera éliminée ici, sur le champ, aux portes de la finale de Koh-Lanta.